Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu en début de vidéo, le tatouage que j'ai réalisé sur ma cuisse, donc c'est une tortue, on va dire en mode polynésien. Mon premier tatouage, enfin plutôt le deuxième, mais là c'est vraiment un tatouage complet, c'est un tatouage que je n'avais pas. Ça m'a pris énormément de temps pour pouvoir le dessiner. J'ai pris, je crois, autour de 10, une bonne dizaine d'heures pour le dessiner. Donc c'est pour quelqu'un qui ne dessine pas. C'est vrai que c'était compliqué pour moi. J'ai pris un modèle et le modèle, je l'ai entièrement modifié et je l'ai mis à ma sauce. Ce qui m'a pris le plus de temps, voilà, c'est le dessin. Ensuite, comme je vous l'ai dit, hein, il a fallu faire le calque. Le calque, voilà, comme vous pouvez le voir, je vous l'ai montré, donc je vous l'ai montré sur Instagram et sur mes autres réseaux. Donc le calque, ça a été assez compliqué parce que je n'ai pas de machine pour faire les calques, donc le stencil. Et c'est vrai qu'il a fallu que je fasse tout à la main et vraiment, c'est un peu compliqué parce qu'on a toujours l'impression d'oublier quelque chose. Donc, et j'avais vraiment envie pour mon premier stencil de faire vraiment en sorte que ça se passe le mieux du monde. Après, on arrive au moment où il faut se tatouer. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je filme ou je filme pas? Après, je me suis dit, non, je ne vais pas filmer. Pourquoi? Parce que on a une responsabilité, moi le premier. Alors, je ne critique pas, je le dis tout de suite, ceux qui font du tatouage, que ce soit pro ou amateur. Bon, pro, c'est leur métier, ou amateur, parce que certains se filment en montrant leur méthode, certains expliquent. Moi, je ne le ferai pas. Donc, je n'ai aucune critique envers ces gens-là. Ils font ce qu'ils veulent. C'est leur chaîne YouTube. C'est leur démarche. Voilà. Moi, je n'ai rien à dire. Par rapport à ma chaîne YouTube, vous ne le verrez pas. Moi, comme je vous le dis, je suis en apprentissage. J'apprends. Je suis autodidacte. Ça va prendre du temps. Voilà. Je n'ai pas dit que je voulais tatoueur professionnel. J'ai un métier à côté. J'ai ma passion des reptiles qui me prend énormément de temps. Donc voilà, je ne peux pas non plus tout mélanger et faire tout et n'importe quoi. J'ai entièrement désinfecté le sol au vinaigre d'alcool, à l'eau de Javel. Mon plan de travail, je l'ai désinfecté. J'ai ensuite mis un cellophane de protection. J'ai ensuite nettoyé. Tout ce que j'ai posé sur cette table a été désinfecté. J'avais des gants. Une fois que j'ai tout préparé, mon plan de travail, entre guillemets, avec mes appareils, préparé mon stencil, j'ai rasé ma cuisse. J'ai désinfecté ma cuisse à l'alcool modifié. Ça c'est peut-être un peu compliqué, mais ça m'a un peu piqué, surtout que se raser la jambe c'est pas mon truc. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis donc le stencil sur la cuisse et j'ai tapoté ma cuisse jusqu'à ce que je vois comment dire, le dessin à travers le papier transfert. Et j'enlève, j'ai toujours, j'ai croisé les doigts parce que si c'était raté, il aurait fallu que je recommence tout à zéro, recommencer le stencil. Enfin bref, j'enlève le papier de la cuisse et qu'est-ce que je vois? Eureka, mon dessin, mais nickel, à la perfection. Ça n'avait pas bavé, c'était super. Et j'ai frotté un petit endroit pour voir si ça partait vite. Et j'ai vu qu'en fin de compte, ça tenait. Donc je me suis dit, on va rester dans cette optique-là. Je me suis préparé. Alors, je voulais vous dire pourquoi, avant de venir au tatouage. Pourquoi? Parce que, alors, moi au début, je me suis fait un test en handpoke. C'est-à-dire, je prenais des aiguilles comme ça. Donc avec une date de péremption, très très important. Et je me suis fait mon premier tatouage ici qui est là, donc qui cicatrise même parfaitement. Je m'étais fait des petites retouches sur le tatouage parce que celui-ci, il a quand même quelques années et il avait perdu un peu de couleur ici et la pointe ici s'était transformée en petit point. Et j'avais envie de me dire, bon, voilà, on va faire ça, on va tester ça. Donc le handpoke, ça s'est très très bien passé. J'ai même pris beaucoup plus de plaisir en faisant du handpoke que du tatouage classique. Ma première impression, la position de travail catastrophique, le dos courbé, 3 heures de tatouage, c'est une catastrophe. Je vais vous dire une chose, la première chose que j'ai faite, c'est, voilà, j'ai tatoué avec cette aiguille-là. Donc moi, je tatoue avec un pen de chez Stigma. Je vais vous montrer. Donc j'ai désinfecté avec une lingette d'alcool et je le redésinfecterai derrière. Parce que dès que je touche quelque chose sans les gants, sans quoi que ce soit, pour moi, c'est souillé. Donc voilà, je tatoue avec ça. Donc il est vraiment. Voilà, je vous dis franchement, c'est pour mon premier. Je n'avais pas envie non plus de dépenser une fortune. Et avec du recul, ce kit de tatouage, eh ben, il est vraiment très très bien. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. J'essaierai par la suite de tatouer avec une machine coil. Donc les coils, c'est avec les doubles bobines. Je me laisserai tenter par ça. Parce que je trouve ça. Voilà, alors moi, c'est tout mon problème. C'est dès que j'ouvre une boîte. Voilà, j'ai tellement la manie de ranger tout que je range tout au fur et à mesure et que j'ai perdu la boîte. Donc, ce qu'il y a, c'est que donc j'ai tatoué la première chose avec du 7RL, donc une aiguille. Bon, j'ai essayé de trouver la même marque que mon pen, donc c'est du Stigma. Et je vous dis franchement, le premier traçage, catastrophique, une honte. C'était des traits très très fins. Alors, le problème, c'est quand c'est très fin. C'est que ça se voit et que c'est moche. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé et je vous dis au bout de
de 20 minutes, je me suis dit, non, c'est une horreur, je vais arrêter tout de suite. Je vous dis franchement, j'arrêtais. Je suis allé voir ma femme, je lui ai dit, elle m'a fait, oh là là. Alors, tout de suite dans ma tête, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir un tatoueur pro et je vais faire du covering. Je vais recouvrir la partie que j'ai ratée et on verra autrement. Parce que c'était catastrophique, je vous dis franchement, ça ne m'allait pas, c'était moche. Et j'étais complètement déçu de ce que je faisais parce que non seulement j'étais trop haut, malgré. Alors j'ai investi dans des. Alors il y en a une pour ma femme, une pour moi. Ma femme a investi dans des loupes 2 pour lire. Et moi j'avais investi dans des loupes 3 pour pouvoir grossir le tatouage. Donc c'est vrai qu'on a l'impression d'être prêt. Mais le simple fait d'être loin pour tatouer, parce que non plus je ne suis pas souple, hein, d'être loin pour tatouer, eh ben, j'avais pas un geste précis. J'avais pas ma main qui était placée correctement en appui pour pouvoir tatouer correctement. Mes premiers traits catastrophiques, dédoublés, deux travioles, tremblants. Enfin, c'était une horreur. Et puis, je me suis dit, oh, puis non, de toute façon, il faut terminer. Et ben, j'ai continué, j'ai fait tout le tracé. Alors, c'est sûr qu'il y a moins de symétrie que sur le dessin, sur le calque, mais c'est mon premier tatouage, donc je me suis dit, j'ai le droit à des petites imperfections, j'ai le droit à des choses qui n'allaient pas. Suite à ça, je me suis dit, bon, bah voilà, de toute façon, j'avais prévu de passer au 9RL. Voilà. Le 9RL est une aiguille quand même beaucoup plus grosse, et je me suis dit, on va passer à celle-là, et je vais essayer de repasser sur mes lignes. Voilà. J'ai eu très bon conseil aussi de Max, que je salue, qui m'avait dit, de toute façon, entraîne-toi à faire des lignes à des endroits où tu vas faire du remplissage. Et les endroits où je vais faire du remplissage, bah, de toute façon, la ligne, même si elle est tordue, je vais passer par-dessus. Donc le remplissage, ça va effacer la ligne qui était tordue. Donc j'ai suivi ses conseils. Il y a quelques lignes que je me suis tenté à faire. Et avec cette aiguille 9RL, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis repassé sur tous les traits de contour. Vraiment un par un, ça a pris du temps. C'est ce qui m'a pris le plus de temps, je crois. Ça m'a pris plus d'une heure 45. Enfin, en tout, j'en ai eu pour 3 heures. Et j'ai recouvert, et finalement, eh ben franchement, le résultat, j'en suis plus que satisfait, parce que mon tatouage me plaît. J'ai même fait quelques petites améliorations au niveau du haut de la tête. Je m'y suis pris correctement pour remonter par rapport au dessin, pour effacer en bas ce qui était en bas, ce qui s'efface en bas, et remonter vers le haut pour pas effacer ce qu'il y avait en haut. Et j'ai vraiment fait vraiment top. Le stencil n'était pas effacé, j'ai vraiment fait comme il fallait. Et puis, donc j'ai fait des petits trucs à ma façon, qui s'étaient effacés. J'ai redessiné donc, avec mon petit stylo spécial peau. Ma petite vaseline, alors ça je l'achète chez Action, là, j'ai acheté un petit pot, ils en avaient plus de gros, ça coûte que dalle. Le petit ruban, donc moi ça j'en m'en sers aussi pour le handpoc, et je m'en sers donc pour mettre autour de mon pen, parce que ça me permet d'avoir, le fait est de grossir mon pen avec ce ruban, déjà ça permet de ne pas déraper, et ça m'a permis en même temps d'avoir une meilleure prise en main, parce que une plus grosse dans la main. C'est pas un peu bizarre ce que je viens de dire encore? Des fois je me dis, il y a un truc qui va pas. Donc là l'encre, comme vous l'avez vu en début de vidéo, il est fini, vous pourrez regarder, vous pourrez faire des arrêts sur image, des gros plans, des zooms et tout, voir ce que j'ai mal fait et ce que j'ai bien fait. Enfin, ce que j'ai bien fait et ce que j'ai mal fait. Donc moi, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo. C'est très très important pour moi, que vous soyez tatoueur professionnel ou tatoueur amateur, ou que vous soyez comme ça, que vous ayez un avis à me donner. N'hésitez pas, moi je suis preneur. Comme je précise, ce n'est pas mon métier, je ne donnerai aucun conseil sur ma façon de tatouer. Ça, je vous dis clairement, je ne dirai pas voilà comment tracer une ligne, comment faire un trait, comment se positionner. Je ne donnerai aucun conseil parce que ce n'est pas mon métier et qu'il y a des gens pour vous aider et il y a d'autres vidéos YouTube pour pouvoir vous aider. Moi, ce n'est pas mon cas. Ma playlist tatou, ça sera vraiment uniquement, et je vous le dis vraiment uniquement, pour montrer l'évolution de mon tatouage, ce que j'arrive à réaliser et tout, et comment je progresse. Ça sera tout. La seule chose que je pourrais vous montrer, parce que là, quand on rate un point, et ben on peut arrêter et que ça n'engage que moi, c'est que je vous montrerai comment je fais le handpoc. C'est tout, parce que le handpoc, c'est pas difficile. On suit des lignes et c'est quand même beaucoup moins compliqué. C'est beaucoup plus long, c'est fastidieux, c'est moins douloureux, mais il faut repasser des dizaines et des dizaines, enfin des dizaines de fois, donc je vais peut-être un peu trop loin. Pour la main, j'avais passé 5 ou 6 fois. Donc moi, les tatouages que je referai sur mon corps, à part là, le remplissage que je vais faire d'ici 3 semaines, je vais faire le remplissage. Mais pour le reste, tout ce qui est handpoc, je pourrais vous le filmer parce que il n'y a pas de... à part l'hygiène, il n'y a pas de grand chose à montrer. Je ne vais pas vous montrer comment tracer une ligne parce que là, il y a juste des points à suivre. Donc ça ne va pas être compliqué. Même si je suis amateur, j'essaye de faire en sorte que je protège déjà l'environnement et je protège les gens qui ramassent éventuellement les poubelles, donc les éboueurs, parce qu'il était hors de question que je fasse tout et n'importe quoi. Donc mes aiguilles, je suis allé à la pharmacie, je suis allé leur dire, voilà, moi je suis un tatoueur amateur, je me tatoue de temps en temps, j'ai pas une grosse consommation d'aiguilles, est-ce que je peux avoir une boîte pour mettre des aiguilles? Et le responsable de la pharmacie m'a dit, oui tout à fait, vous pouvez. Donc j'ai eu ça, j'ai récupéré ça, c'est pas anodin.
Les aiguilles, ça se met pas dans la poubelle, ça se met pas dehors, ça se jette pas. Quelle que soit l'aiguille, ça se met dans une boîte qui est vraiment prévue à cet effet. Les tatoueurs, eux, ont un contrat et les donnent à des organismes ou des sociétés qui permettent de récupérer toutes les aiguilles. Ils ont des contrats. Moi, c'est vraiment, je vous dis, dans le mois, je vais peut-être consommer 4 ou 5 aiguilles. Voilà, donc c'est pas la boîte, je vais peut-être la rendre au bout d'un an. C'est pas non plus une grosse folie. Donc, mon ressenti par rapport à mon premier tatouage, appréhension, dégoûté, rattrapage. Ouf. Dites-moi votre ressenti donc, par rapport à ça. Les conseils, je vous dis, les encouragements ou pas. Il y a eu des ratés, je vous dis clairement. Il y a des endroits où je suis allé trop profond. Il y a des endroits où j'ai vu que la ligne, en fin de compte, c'était pas bien. Des fois, j'avais pas assez d'encre. Ah, c'était galère. Et j'avoue vraiment que la dernière heure de tatouage, j'étais beaucoup plus à l'aise. Les traits étaient fluide, j'arrivais à mieux positionner mes mains, j'arrivais à avoir l'automatisme de mettre de la vaseline avant de faire entrer l'aiguille parce que l'aiguille pénètre mieux avec de la vaseline. Je suis tellement fier de ce que j'ai fait. C'est long, 3 heures, tout seul. J'ai eu extrêmement mal au dos parce que j'étais tout le temps courbé avec des lunettes loup pour pouvoir ne pas me rater. La prochaine étape, le remplissage. Je vais continuer à m'entraîner sur de la peau synthétique. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un like. Et comme je le précise, je suis en apprentissage. Je ne donnerai aucun conseil. Il y a deux personnes qui me conseillent énormément, donc ils se reconnaîtront. Et je vous remercie d'avance de me soutenir. Et pour tous les autres tatoueurs et toutes les autres personnes qui s'y connaissent en tatou, qui sont venus me conforter et me soutenir, je vous remercie chaleureusement parce que franchement, ça me fait plaisir. Bon les amis, écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur ma chaîne YouTube. À bientôt. Peace tout le monde. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.